Et salut à tous, c'est Megavolt, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Pokémon TCGO, Pokémon Trading Card Game Online. Ça fait super longtemps qu'on n'en a pas fait, donc je tenais donc à voir avec vous donc ce qu'on va pouvoir faire et voir les nouveautés qui sont là depuis la dernière fois que je n'en ai pas fait, c'est-à-dire depuis un peu plus d'un an. Ça, c'est donc les défis que j'ai en cours, hein, on les passe un petit peu rapidement parce qu'il y a un truc qui fait du bruit derrière. Ça a pas mal changé. Ok, donc dans 2 jours, hop là. Donc c'est bien, ça a gardé l'historique. Alors, soleil, lune, tempête céleste, on va voir un petit peu ce qu'il y a au niveau des achats. Donc j'ai 345 tickets et j'ai 159 jetons. À mon avis, il y a plein de trucs qui ont été rajoutés. Donc toutes ces cartes là je ne les connais pas du tout. En fait, ceux que j'ai déjà achetés, j'ai mis un petit cœur dessus, donc voilà, comme ça vous savez à peu près ce que j'ai. Vous voyez, ça fait tellement longtemps que j'ai pas été dessus, hop, que ça continue de charger. Je sais même pas de quoi acheter un booster. Alors, est-ce que mes decks sont toujours valables? Il y a encore. Non, c'est bizarre, pourquoi il me recharge mes cartes? J'ai eu une mise à jour tout à l'heure. Et après, j'ai eu une deuxième mise à jour, donc ça se trouve, ça a effacé des trucs. J'espère que je vais encore savoir y jouer. Il a effacé toutes les cartes apparemment. Vous pouvez faire pause si vous voulez les voir. Il y en a un paquet. On peut pas non plus toutes les faire. Alors, on va dans paramètres. Cache des cartes. Où j'en suis. Ah ouais, 34%, donc ça risque de prendre un certain temps. Ok, bah écoutez, nous on va jouer. Je sais plus si c'était défi du dresseur ou versus. Donc là, visiblement, j'avais tout fait. Toc, 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 toc. Ici, c'était bon. Bah, je crois que apparemment, j'ai tout fait. Tout est fait, à part peut-être celui-là et là. Par contre, je sais plus comment faire pour avoir celui du haut. Là, c'est en municipal. Là, c'est en platine. Et là, c'est en or. Bon, on va retourner sur municipal. On va essayer contre Mike. Je peux pas choisir, si c'est bon. Et donc lui il est de type feu, donc logiquement on devrait prendre un type eau. Pourquoi j'ai ça dessus, 012? Ça fait tellement longtemps que j'y ai pas joué, je sais plus du tout. Aux plantes. Alors on va tenter aux plantes, je ne le connais pas du tout. Il y a quoi dedans? En plus il doit recharger toutes les cartes. Ça va pas être gagné. Ah, on va essayer celui-là. Allez hop, soyons fous. On va essayer de ne pas tomber sur des cartes plantes et puis voilà. Alors, votre adversaire n'a aucun Pokémon de base. Ok. Et ben, le seul Pokémon. Ah, c'est de l'énergie, oh, ça. J'ai un Psychoquack. On va le mettre là. Parce que eux sont type plante.
Et j'ai pas envie de les... Je vais quand même en mettre un, par sécurité. J'ai une ceinture furie. Ok, c'est parti. Votre adversaire, voulez-vous piocher une pierre? Ben oui. Puis ça tombe bien, c'est son évolution, la Quackwack. Donc il me faudra une carte eau et une carte double énergie. Ok. Je pense que je vais le sortir celui-là. On verra plus tard. Ok. Alors lui, il ajoute 40 points de vie. Sur un Pokémon de base. Donc, on va ressortir un Psycho Quack. Donc lui va se bouffer deux fois plus de dégâts de ma part. On va sortir le Ramolos. Par contre, si je mets l'énergie là, ça devrait le faire normalement. Ça compte comme une... Voilà. Si... Donc là, je fais 20, d'accord? Si j'utilise celui-là, donc défausser une énergie spéciale attachée au Pokémon actif de votre adversaire. Bah, vu qu'il n'a pas de carte, par contre, il prépare un truc pas cool. On va rester comme ça pour l'instant. Par contre, je vais peut-être le protéger. Parce que là, il peut me faire 30 et là, ça me fait... C'est un peu du gâchis, on va dire. Mais au moins, il peut évoluer, ça le protège. Parce que là, il risque de me faire mal, il est 40 points supplémentaires. C'est pas agréable. Alors, donc un Grenousse, une potion. Donc là, il me faudrait en fait une autre carte énergie, tout simplement. J'ai la carte eau. Donc 60 et il a 180. Décidément. Alors, regardez cette carte au-dessus de votre deck. Vous pouvez montrer un Pokémon que vous... Ah, j'aurais pu aller. Donc, grosso modo, choisis un Pokémon, mais bon, j'ai pas envie de... Donc, au prochain coup, je le mets KO. Ouais, j'ai bien fait de mettre cette carte. Hop là. Et est-ce que je le fais évoluer? Ouais, on va lui faire 140. Voilà, deux nouvelles cartes. Coquillasse et piocher. Trois cartes. Plus que rien faire, moi, à part à évoluer ces Pokémon. Alors, Ramolos, eh ben, on va lui mettre. Je regarde un petit peu les cartes.
super, des cartes. Oh. Puis là, j'ai un crustabri. Donc, il me faut un eau et deux normales. Et j'aurais dû mettre mon coquillasse à la place. C'est pas grave. J'ai gagné. Quoi, il a réussi à me faire ça, lui? Balèze. Alors, on met le coquillasse. Lancer deux pièces, cette attaque inflige 30 dégâts multipliés par le nombre de côtés. Alors par contre, faut que je réfléchisse. Parce que lui, il a deux cartes, il va pouvoir me faire 30. Ou 20 et 20, 40. Ouais, il devrait supporter. Prochain tour, je mets le crustabri. Voilà. Votre deck attache. Alors, regardez les 6 cartes au-dessus de votre deck et attachez une carte énergie de base. Un Pokémon de votre banc. Ok. Moi j'ai que des cartes comme ça, de toute façon c'est pas grave. Et je peux pas le mettre à celui-là? C'est nul. Ramolos. Je sais pas s'il y a une évolution de Crustabri. Par contre, Ramolos, il y a Roigada. Il faut une carte d'eau. En retour, si vous déplacez une carte d'énergie, on va la mettre dessus. Donc au prochain tour, hop, je lui mets une nouvelle carte et je pourrais faire ça. Si ce Pokémon a évolué en coquillasse au tour, pendant ce tour, ok. Donc là, il vient d'évoluer en fait. Une pièce 6 efface, déplacer une énergie attachée Pokémon actif de votre adversaire. On va le mettre là. Hop là. Il est paralysé et il a plus l'énergie. Bon, ce n'est qu'à me rajouter deux. Donc j'ai plus qu'à l'achever. Avant de l'achever, je vais jouer un peu avec lui. Toup.
Une victoire. Donc ça va, j'ai pas trop perdu la main. Donc ça y était pas à l'époque. Deux faces cachées obtenues, 800 dégâts, MVP. Pour moi, les MVP c'était les boss dans Ragnarok. Et donc j'ai gagné une pièce. Ok. Alors est-ce que ça a changé quelque chose à mon truc ou pas? Ouais, j'ai les deux là. Ok les amis, bah écoutez, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut si vous avez aimé cette vidéo. Bon, elle est un petit peu faite à l'arrache, on va dire. Comme je dis, ça fait super longtemps que j'ai pas joué. J'essaie de m'y remettre un petit peu et puis on verra par la suite. Donc je vous dis à très très vite, prenez soin de vous, jouez bien, bye bye.